Bem, bom dia aos colegas, né, que estão aqui assistindo nossa entrevista. Bom, sejam muito bem-vindos. Essa entrevista é em ocasião do 12º Colóquio Internacional Michel Foucault, Devido do Pensamento e Multiplicação das Práticas. Em razão da pandemia desse ano, esse evento que deveria acontecer agora em outubro foi adiado para outubro do ano que vem. Mas, para não deixar essas datas e a nossa programação em aberto e numa tentativa de manter, cultivar e fortalecer os nossos vínculos, não é, com toda essa equipe de pesquisa, nós da organização do colóquio e do grupo de pesquisa Michel Foucault, da PUC, decidimos fazer esse evento um pouco menor, completamente online, que se chama Foucault Entre Tempos, né? Essa entrevista de hoje, então, é uma primeira parte desse evento e um convite para que vocês participem desse evento que acontecerá entre 6 e 8 de outubro, né? Nós estamos hoje aqui, então, com o professor Christian Laval. O professor Laval é professor aposentado da Universidade Paris-Nanterre, Paris 10, e atualmente ele coordena o grupo GENA, que é o grupo de estudos sobre o neoliberalismo e suas alternativas, que é vinculado ao laboratório Sophia Polo, dessa mesma universidade, né? Ele é autor de diversas obras, algumas delas em parceria com o professor Pierre Dardot, né? Eu menciono aqui apenas aquelas que já foram traduzidas para o português, mas para os leitores de língua francesa fica aqui o convite para procurar os demais livros do professor Laval, que são sempre uma contribuição singular e significativa para o nosso pensamento contemporâneo, não é? Bom, então em português nós temos A Nova Razão do Mundo, Ensaio sobre a Sociedade Neoliberal. Temos também o livro Comum, Ensaio sobre a Revolução no Século XXI, um outro livro dele também, A Escola Não É Uma Empresa, esses três primeiros pela editora Boitempo aqui no Brasil, né? Além disso, nós temos A Sombra de Outubro, A Revolução Russa e os Espectros dos Soviets, pela editora Perspectiva, e será publicado agora, provavelmente no final de setembro ou início de outubro, o livro Foucault, Bourdieu e a Questão Neoliberal, pela editora Elefante. Bom, eu não quero me alongar mais, não é? Já falei mais do que deveria nessa pequena apresentação. Vou então passar a palavra ao professor Laval. Então, bonjour, monsieur Laval. Bonjour, comment Bonjour. allez-vous? Bonjour. Bom, o nome do grupo de recherche Michel Foucault et de la Pontificale Université Catholique de São Paulo, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'enregistrer cet entretien avec nous. Bom, pour commencer, je voudrais débuter notre conversation donc, par une question peut-être assez vaste, mais qui, je crois, peut contribuer à nous mettre sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'utilisation du terme. Donc, je vais être très direct. Qu'appelez-vous néolibéralisme? Quelles sont ses principales caractéristiques et comment délimitez-vous historiquement le néolibéralisme? Oui, ben, c'est moi d'abord qui vous remercie de cet entretien. Et nous le faisons évidemment dans des conditions historiques très, très particulières, celles de la pandémie. Mais je vois que vous utilisez des instruments transnationaux qui nous sont très utiles en tout cas. Et je suis très content de pouvoir parler avec vous. Oui, en fait, le néolibéralisme, nous l'avons, si je puis dire, redécouvert avec Michel Foucault. C'est pourquoi ce questionnement a toute sa place dans un colloque autour et sur Michel Foucault, car c'est grâce à lui, grâce à Naissance de la biopolitique, que nous en avons aujourd'hui une idée plus claire, même si le cours qu'il a consacré au Collège de France au néolibéralisme est très ancien. En fait, il a dégagé des grands axes de compréhension que nous n'avions pas. Et quand nous avons redécouvert Naissance de la biopolitique, vous parlez pour Pierre Dardot et pour moi, ça a été un grand événement, un événement personnel même, parce que nous avions jusqu'alors une idée assez fausse du néolibéralisme, enfin, en tout cas assez confuse. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens ont une idée confuse du néolibéralisme. Et nous pensons que Foucault a apporté une clarification essentielle sur le concept quand il en a fait une rationalité politique. Avec Pierre Dardot, nous avons élargi un peu la chose en disant qu'il y a quelque chose de plus global encore
que le champ politique, c'est une rationalité vitale, si je puis dire, qui concerne toutes les formes d'existence. Mais en tout cas, ce qui est important avec Foucault, c'est qu'il a dépassé le seul plan doctrinal. Voilà. Parce que beaucoup d'historiens des idées, beaucoup d'historiens de la philosophie ou des théories politiques, finalement, conçoivent le néolibéralisme comme une série de courants théoriques, des écoles différentes, des auteurs, voire des ouvrages qu'on pourrait qualifier de néolibéraux. Or, avec Foucault, on voit que c'est une forme de pouvoir, ou comme il disait, un type de gouvernementalité, ce qui fait que l'approche est très différente. Elle porte finalement sur des politiques, sur des pratiques qui peuvent être éclairées à la lumière des théories, bien sûr, des doctrines, mais en tout cas qui ont leur spécificité. Donc le néolibéralisme, c'est une forme de pouvoir ou un type de gouvernementalité très particulière dans l'histoire. Alors, quand ça démarre? Alors là, c'est aussi très compliqué. Vous voyez, on n'a pas de réponse simple à votre question qui elle-même était, bon, voilà, directe. Hein. Le néolibéralisme, ben, on a commencé à appeler quelque chose comme néolibéralisme dans l'entre-deux-guerres. Et le grand moment, sans doute, repéré par Foucault, c'est le colloque Lippmann qui s'est tenu à Paris en 1938, autour d'un livre, justement, de Walter Lippmann, qui s'appelait « The Good Society », et qui avait été traduit en français, donc, par la cité idéale, je crois, ou je crois, je ne vais pas me tromper. Bon. Alors, ou la cité heureuse. En fait, qu'est-ce qui disait Lippmann? Lippmann disait « Le libéralisme classique, le laisser-faire, a échoué. » Et a conduit, d'une certaine façon, à la crise économique, mais plus encore à une espèce de crise sociale et de crise morale. Et il s'agit de refonder le libéralisme. Et autour de cette idée de refondation du libéralisme, se sont fédérés différents groupes, des Autrichiens, des Allemands, des Français, des Américains, bien sûr, qui se sont retrouvés dans cette volonté, dans cette intention de refonder le libéralisme autour d'une idée, disons, assez simple, selon laquelle le marché, la société de marché, ne pouvait pas exister sans loi, sans institution, sans État. Donc c'est l'idée finalement qu'un ordre de marché, c'est un ordre juridico-politique. Alors il y a des interprétations très différentes. Alors évidemment, tout le monde n'est pas absolument d'accord dans les années 30 avec cette définition. Il y a un Autrichien qui s'appelle Ludwig von Mises, qui est plutôt à l'ancienne, qui est plutôt quelqu'un qui se méfie d'abord et avant tout de l'État. Et puis, il y a les autres qui sont plus subtils et qui disent qu'il y a deux sortes d'États. Il y a l'État total, l'État qui s'occupe de tout. Hein, et là, c'est un héritage sans doute de Carl Schmitt. Il s'occupe de tout, il est très interventionniste et il politise tous les secteurs de la société et toutes les activités. Et ça, c'est très mauvais, parce que l'État total, l'État qui s'occupe de tout, c'est l'État qui dérive vers le socialisme, le fascisme, etc. Bon. Et puis, il y a l'État fort, c'est très différent. L'État fort, c'est l'État qui arrive à s'imposer sur tous les groupes sociaux et qui arrive à imposer le droit privé, qui arrive à imposer à tous les groupes, finalement, cette idée qu'il n'y a rien de plus important pour le bien-être d'une société, que les lois de propriété, que les lois de la concurrence, etc. Et alors finalement, c'est le moment important où on cadre finalement une intention politique, un ennemi, une adversité. L'adversité, c'est le socialisme, le fascisme, le totalitarisme, c'est l'État total. Et on se donne un programme politique qui va être interrompu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce programme politique, il va renaître après la Deuxième Guerre mondiale et va se dérouler de façon très inégale selon les pays pendant 30 ou 40 ans. D'abord, de manière assez triomphale en Allemagne de l'Ouest et de façon plus dominée dans d'autres pays, mais avec un activisme politique très important. Je crois que les néolibéraux, les théoriciens néolibéraux ne sont pas que des théoriciens, ce sont des entrepreneurs politiques et qui ont finalement
dans les années 70, profiter de ce moment de crise du keynésianisme, de la stagflation, c'est-à-dire ce mélange de stagnation et d'inflation, qui ont profité d'un moment historique pour imposer finalement leur vue qui avait été élaborée, disons, 40 ans, 30 ou 40 ans avant. Voilà. Donc il y a un décalage dans le temps. Et quand Foucault, dans le cours, explique que ce qui se passe en France dans les années 70, c'est l'importation du néolibéralisme allemand, ben, il ne fait que dire, au fond, tous ces phénomènes de retard, d'inégal développement selon les pays, de la problématique néolibérale, qui est l'instauration d'une société de marché, d'une société de concurrence, généralisée à l'aide de politiques gouvernementales, tous azimuts, c'est-à-dire qui concernent à peu près toutes les institutions. Alors, je voulais juste préciser à la fin, je suis peut-être un peu long, que ce qu'on a du mal à préciser, c'est justement la différence qu'il faut faire entre le plan de la doctrine, d'un côté, qui est effectivement très divers, il y a plusieurs formes de néolibéralisme, et un modèle politique qui, lui, a son homogénéité, qui, lui, a sa cohérence. C'est justement ce que Foucault appelle une rationalité, c'est-à-dire une cohérence des pratiques. Et beaucoup d'historiens, de philosophes, etc., ne comprennent absolument pas ça. Ils disent que Foucault, finalement, il avait une vue trop homogène du néolibéralisme, alors qu'il est très différent. Mais il y a pour lui une cohérence politique. Voilà. Et bon, voilà, j'essaye de résumer ce qui est difficilement résumable. Hein. Évidemment, vous comprenez bien. Voilà. Non, je sais. C'est une question très vaste, je sais. Et... vous commencez difficilement, là, vous. Je sais. Non, non, non. Ça, c'est la question plus difficile que j'ai posée aujourd'hui. Bon, le prochain point que j'ai pour parler ici avec nous, c'est peut-être sur la question des crises. Je vais vous dire que c'est ça. Si on comprenons alors, que le néolibéralisme est une rationalité politique et peut-être une rationalité politique de notre propre temps. Je voudrais donc souligner qu'il a un mot qui est chaque jour plus récurrent dans le vocabulaire politique et économique, qui c'est le terme crise, n'est-ce pas? Donc, comme voyez-vous la multiplication de l'idée de crise et quel est le rôle de la crise dans le néolibéralisme? Alors, d'abord, oui, c'est une très bonne question. J'ai envie de dire, si on prend la question généalogique, ça continuera un peu, ça précisera un peu ma première réponse. Bah, le néolibéralisme, il est né dans la crise. Il est né d'une réaction à une double crise. Crise politique de la République de Weimar. Là, c'est extrêmement important dans la définition de l'État fort. Et deuxièmement, une réaction à la crise économique de 1929. Et le constat qui est fait que le laisser-faire manchestérien, comme disait Lippmann, a connu un échec historique. Bon, le néolibéralisme après-guerre, il s'impose aussi à travers la défaite allemande. C'est-à-dire la question qui se pose aux Allemands après leur défaite, c'est sur quelle nouvelle base recréer un État, c'est-à-dire comment sortir de la crise qui a entraîné le nazisme. Hein. Donc c'est à chaque fois une réponse à la crise. Alors, donc vous voyez, c'est pas nouveau. Et les années 70, justement, sont aussi des années de crise. C'est là où il semble que les politiques keynésiennes aient abouti à une crise économique, comme je le disais tout à l'heure, plus profonde que les crises pétrolières, dues au fait que les mesures interventionnistes de l'État aboutissent, d'après les néolibéraux, à de l'inflation et deuxièmement, à du chômage. Bon. Donc, c'est une vieille habitude que le néolibéralisme réagisse à des crises. Et ça va peut-être plus loin. Nous, ce que nous avons expliqué dans le cauchemar, c'est que nous avons affaire à un gouvernement par la crise, un gouvernement qui profite des crises et qui profite des crises qu'il a lui-même alimente, qu'il lui-même nourrit. Et on a pris évidemment le modèle de la crise de 2008.
Ce qui était tout à fait fascinant dans la crise de 2008, c'est que après quelques mois d'hésitation, où les gens ont pu dire que le néolibéralisme était fini, hein, comme Stiglitz, qui avait fait un célèbre article qui s'intitulait « La fin du néolibéralisme », disait au fond, voilà, c'est fini, on va passer à autre chose, etc. Mais ce qu'on a vu, c'était au contraire une radicalisation du néolibéralisme, profitant justement de la crise, profitant en fait, d'une certaine façon, les politiques néolibérales, à un moment donné, sont déterminées par des contraintes systémiques. Voilà. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on est sorti un peu du monde foucauldien, si je puis dire, de la gouvernementalité, des tactiques, des tâtonnements, etc., pour entrer dans un monde à partir des années 90 où le néolibéralisme est devenu un système mondial avec des contraintes extrêmement fortes qui fait que tout le monde est à peu près obligé de poursuivre les mêmes politiques. Pourquoi ? Parce que le système néolibéral, c'est un système de concurrence généralisée. Et donc, l'urgence, l'importance, la priorité est donnée à la compétitivité. Et donc, dans un système de concurrence générale, la politique la plus évidente, c'est de renforcer la compétitivité. Donc, de prendre toutes les mesures qui vont dans ce sens-là. Donc, nous, le néolibéralisme, voilà, je crois qu'il il se nourrit de la crise parce que lui-même, parce que c'est un système qui est en crise permanente, d'une certaine façon. Et donc, je crois que nous sommes encore dans cette affaire-là. Ça s'est compliqué. Les choses se sont compliquées parce que maintenant, le néolibéralisme, il est confronté à une crise politique, une crise de légitimité de l'État. Et il se nourrit, non pas seulement de la crise économique ou de la crise sociale, il s'alimente vraiment d'une crise de la représentation politique. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Le néolibéralisme s'est hybridé, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est mélangé en quelque sorte avec des formes populistes de pouvoir. Hein. Donc voilà, crise économique, crise sociale, crise politique aujourd'hui, voilà, le néolibéralisme finalement est toujours enrichi, si je puis dire, et transformé par ces crises. Parce qu'il faut dire aussi que nous n'avons pas affaire à un modèle stable, une forme immobile qui aurait dans tous les pays, partout, exactement les mêmes caractéristiques. D'une certaine façon, ce qui est formidable, c'est la plasticité. La plasticité de cette forme politique et son adaptabilité, d'une certaine façon, au contexte. Ah, très bien. Donc, bon, nous parlons de cette question des crises et je pense que ce sera impossible de ne pas parler un peu de la grande crise sanitaire que nous traversons en ce moment-là. Donc, pensez-vous que l'actuelle pandémie du COVID-19 impose une certaine transformation en ce qui concerne la rationalité politique contemporaine? Bon, ça, c'est encore une question très difficile. Elle est très difficile. Bon, parce qu'on manque évidemment de... Le recul historique, bon, c'est très difficile de savoir ce qui se passe. Mais on peut y mettre des hypothèses. Première chose, je crois qu'un certain imaginaire néolibéral a été atteint par la crise sanitaire. D'une certaine façon, ce qui est revenu à la surface, c'est ce que j'appelle plutôt un imaginaire solidariste. C'est-à-dire la compréhension qu'une société, ce n'était pas un agglomérat, un ensemble d'individus en lutte, en compétition les uns avec les autres, qui avaient des formes de solidarité ou de responsabilité et d'obligation des individus les uns avec les autres, et qu'une société, c'était cet ensemble de relations, de solidarité, d'entraide, de partage, etc. On partage le virus, oui, d'une certaine façon, mais on doit partager aussi l'entraide, la solidarité. Voilà. Donc ça, je crois qu'en tout cas en Europe, ça a été quelque chose de très important et les gouvernants ont été obligés de renouer avec un discours positif sur les services publics, alors que jusqu'à présent,
tous les gouvernements qui se sont succédés avaient pour priorité l'affaiblissement des services publics, et en particulier des services de santé. Donc là, il y a eu quelque chose de très, très nouveau quand même. On a vécu en France, par exemple, plus d'un an de grève et de lutte des personnels soignants, des infirmiers, infirmières, médecins, etc. Et d'un coup, avec la crise sanitaire, on a réenchanté ces métiers du soin et de la santé en disant que c'était des gens absolument formidables, etc., et qu'on allait satisfaire très vite leurs revendications, qu'on allait augmenter leur salaire, refinancer l'hôpital, etc. Donc là, il y a quand même eu quelque chose qui a beaucoup changé. Hein. Mais est-ce durable ? Est-ce qu'on n'a pas affaire, finalement, à la répétition du scénario de 2008 ? C'est-à-dire, après quelques mois où on retrouve le sens du service public et on dit, au fond, le néolibéralisme, ça n'allait pas, ça n'était pas la bonne voie, la bonne solution. Est-ce qu'on n'est pas revenu maintenant à quelque chose de beaucoup plus classique qui consiste à faire payer la crise à la population, aux salariés, aux contribuables? Hier, il y a eu l'Assemblée des chefs d'entreprise en France. Le MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Donc, ce sont les patrons qui se réunissent en présence d'ailleurs du Premier ministre. Quel a été le mot d'ordre des patrons? Travailler plus. La seule solution pour sortir du truc, c'est que les travailleurs travaillent plus. Voilà. Et ça, c'est assez symptomatique, finalement, assez significatif d'un cycle. Pendant la crise, l'État des services publics revient en première place, en première ligne. Et puis, dans un deuxième temps, finalement, la problématique néolibérale classique revient et revient de façon plus radicale encore. Et donc, voilà, moi, j'hésite à dire qu'on est passé vraiment à tout à fait autre chose et que le monde d'après sera très différent du monde d'avant. Hein. Ça risque d'être le monde d'avant en pire. Très bien. Donc, ma prochaine question, c'est sur un sujet que vous avez même tout un livre sur cette thématique, et c'est bon. L'un des sujets privilégiés, quand on parle du néolibéralisme, c'est l'éducation. Né? Bon, comme exemple, je pense qu'il suffit de rappeler que l'ouvrage le plus célèbre de Gary Becker sur le capital humain apporte déjà les thématiques dans les sous-titres du livre. Donc, bon, vous avez vous-même un très bon livre sur les sujets, déjà traduit en portugais, consacré à celui-là. Donc, est-ce que vous envisagez une transformation peut-être permanente dans la gestion et dans les pratiques pédagogiques à la suite de la crise sanitaire actuelle, en supposant que cela se finira un jour, bien sûr? Oui. Je vois que vous n'avez que des questions difficiles. Elles ne sont pas plus faciles que la première. Donc, je vais essayer de répondre. Mais là aussi, c'est très difficile, c'est très délicat parce que qu'est-ce qu'on voit dans l'éducation? On a vu le développement en France et en Europe en général de formes pédagogiques nouvelles, ou la forme justement du lien Internet, de la classe à distance, des cours en ligne, ou en tout cas de formes donc nouvelles via Internet. Bon. La conséquence de cela, ça a été le fait que beaucoup d'élèves, on parle de 500 000 élèves en France, n'ont pas du tout réussi à suivre ces cours, à rester connectés, ont décroché, comme on dit en français, ils ont décroché, on les a perdus. Bon, le contact a été perdu, voilà. Donc, l'une des conséquences, c'est
l'augmentation de l'inégalité, l'accroissement de l'inégalité entre les élèves, l'accroissement des inégalités entre, dans les conditions d'apprentissage. Parce que c'est bien ça le grand problème éducatif dans tous les pays. C'est l'inégale condition d'apprentissage. Alors, il y a les raisons familiales. La sociologie explique très bien et depuis longtemps que les milieux sociaux sont différemment disposés, n'ont pas les mêmes atouts pour aider les enfants, pour aider les jeunes. Mais là, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la différence d'équipement, la différence d'encadrement, parce que les parents jouent un rôle majeur, et je dirais majoré, du fait que les enfants ont à suivre des cours depuis chez eux. Donc on a vu jouer à fond cette inégalité, là, et il me semble que c'est très grave pour les services publics. C'est-à-dire, je pense qu'on a les services publics vont voir leur, je dirais, leur modalité d'intervention, etc., mise en cause, critiquée par le fait que les inégalités s'accroissent avec ce qui s'est passé au printemps. Bon. Alors peut-être que ça ne sera pas durable, peut-être y aura-t-il des récupérations possibles. Pour moi, les formes pédagogiques qui sont mises en place aujourd'hui, à distance, sont, comment dire, il me semble qu'elles ne sont pas assez coopératives. Voilà. Il me semble que, d'après ce que j'ai vu, on est surtout affaire à une forme digitale ou numérique de cours magistral. Je ne suis pas du tout convaincu qu'on aille dans le bon sens, parce que, à mon avis, une école démocratique, une éducation démocratique, devrait être d'abord une éducation à la coopération dans l'apprentissage. Je pense vraiment, je suis absolument convaincu que nous sommes, avec le néolibéralisme scolaire, partis sur une très mauvaise voie, la voie de la concurrence entre établissements, entre élèves, entre familles, etc. Or, la coopération, elle est difficile à mettre en œuvre. Elle n'est peut-être pas impossible à mettre en œuvre par des outils numériques. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément la voie qui a été prise ces derniers temps. Bon, plus généralement, vous l'avez rappelé dans votre question, le néolibéralisme joue gros, si je puis dire, avec l'éducation, mise beaucoup sur l'éducation. Contrairement à ce que certains ont cru, quand ils ont pensé que le néolibéralisme était avant tout une affaire d'économie, et que l'école ne les intéressait pas, finalement, c'était autre chose, ou alors que l'école n'intéressait que le capital privé qui pourrait en faire un site d'accumulation du capital. Bon, voilà. C'est la perspective un peu marxiste, si vous voulez, en disant, bon voilà, l'université va se privatiser et ça va devenir une source de profit. Alors, pourquoi pas? C'est vrai, bien sûr, ça, il ne faut pas le nier. Mais la question est beaucoup plus générale. C'est que les néolibéraux, vous avez parlé de Gary Becker, enfin, en tout cas, ces néolibéraux-là pensent l'éducation comme une formation humaine très particulière, hein, qui consiste à inculquer dans chaque enfant l'idée qu'il a un capital à gérer, qu'il a un capital de connaissances ou un capital personnel, physique y compris, mental, à gérer, qui lui rapportera éventuellement toutes sortes de ressources plus tard. Donc c'est une conception capitalistique de l'éducation. Et c'est ça qui est en train d'être mis en place depuis des années, grâce à la création de situations de concurrence entre les familles, entre les écoles, etc. Et ce qui est en train de se produire, c'est peut-être justement une accélération de cette transformation-là, de cette transformation subjective des élèves. En tout cas, c'est ce qu'on peut craindre. Maintenant, on verra si il y a des possibilités, si je puis dire, de
bon, d'alternatives scolaires, d'autres formes qui se sont inventées, aussi parier sur l'inventivité des enseignants. Bon, mais ça demande un peu de temps, hein, pour qu'on le voit. C'est bien. Très bien, très bien. Bon, je pense que la prochaine question va être encore un peu plus compliquée. Donc. Ah, bon. On va arrêter cet entretien-là, c'est trop... Ouais. Bon, mais un sujet que nous ne pouvions pas laisser de côté aujourd'hui, c'est l'extrême droite, c'est ah, ça? Ah oui, alors là c'est grave. Donc, on rit ouais. Plus. Donc, quand on observe les similitudes que l'on peut entrevoir dans la gestion de cette crise sanitaire par des différents gouvernements d'extrême droite, Brésil, les États-Unis, Hongrie, surtout si l'on considère que parfois les négationnismes de ce gouvernement et leur négligence semblent déraisonnables, même aux yeux des secteurs de la société qui sont très alignés au néolibéralisme. Donc, vous pensez que ce mouvement d'extrême droite puisse encore être considéré comme faisant partie de la même rationalité politique qui nous a gouverné tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle? Ou bien serions-nous confrontés à quelque chose de nouveau? Que voyez-vous du néolibéralisme dans les pratiques de Trump, Bolsonaro, Orban? Et y a-t-il quelque chose de nouveau dans cette internationale d'extrême droite? Oui, alors, avant de parler de la gestion de ces gouvernements d'extrême droite de la pandémie, je crois qu'il faut dire un mot justement du fait que ces gouvernants autoritaires, nationalistes, protectionnistes aussi, xénophobes, hein, qui accumulent finalement tous les défauts des gouvernants. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un secteur qui les rachète. Enfin, bon, c'est négatif en totalité. Bon. Ces gouvernants, quel rapport ont-ils avec le néolibéralisme ? Moi, je dirais que le néolibéralisme, c'est, du point de vue là, une forme politique qui défend d'abord l'affirmation de l'État fort. De l'État fort. Enfin, j'ai complètement oublié tout à l'heure, par européocentrisme, de rappeler que l'Amérique latine était grand laboratoire du néolibéralisme. Enfin, faut quand même se souvenir que les néolibéraux, les membres de la société du monde pèlerin, des ordolibéraux comme Röpke, qu'on présente parfois comme des progressistes ou des modérés, enfin, on applaudit au coup d'État de 1964 au Brésil. Ils ont applaudi le golpe de Pinochet, en 1973. Donc, si vous voulez, on dit, mais attendez, le néolibéralisme, est-ce qu'on peut encore dire que ces fascistes-là sont néolibéraux? Mais enfin, qu'est-ce qu'on croit que les néolibéraux pensaient des militaires au pouvoir au Brésil ou au Chili, ces néolibéraux qui soutenaient l'apartheid sud-africain. Enfin, on se fait une idée des néolibéraux comme des gens très gentils, défenseurs de la démocratie libérale, mais c'est totalement faux. C'est des gens qui approuvaient des États parfaitement antidémocratiques et pour des raisons très fondées. Hein. Ils avaient leurs raisons en disant il faut avoir peur des masses, il faut avoir peur de la démocratie dérive toujours vers le totalitarisme, vers l'État total, parce que justement, quand l'État n'est pas assez fort, il est soumis à la pression des masses, à la pression des syndicats, à la pression des pauvres et prend des mesures qui vont nuire au marché et nuire à la propriété privée. Donc, il faut un État fort qui défende le droit privé. Voilà. Et donc, les militaires brésiliens, comme Pinochet, etc., sont des gens qui ont défendu légitimement la propriété privée et les règles du capitalisme. Donc, finalement, Trump, Bolsonaro, Orban et les autres, ce sont les dignes successeurs de ces gens-là. Alors,
on dira, mais ils sont nationalistes avant d'être globalistes. Et le néolibéralisme est fondamentalement globaliste. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ils sont contre le nationalisme, un certain nationalisme, effectivement, qui nuirait au marché. Bien sûr. Mais ils ne sont pas du tout antinationalistes quand il s'agit justement de défendre le capital privé. C'est tout à fait normal que, finalement, un État défende aussi ses propriétaires, les propriétaires de son pays, les capitalistes de son pays. Alors, si on prend Trump, par exemple, bien sûr qu'il est contre le globalisme commercial, mais en même temps, il est tout à fait pour la globalisation financière. Il est tout à fait derrière l'expansion des grandes entreprises américaines. Il les soutient, il les aide, etc. Donc, il est en sous-main, par exemple, il aide à l'exportation des armes vers les Émirats. Bon, les dernières... ce développement diplomatique, l'accord israélien-émirat, sont sous-tendus par des préoccupations commerciales nord-américaines. Donc, moi, il me semble qu'il ne faut pas se précipiter, comme on l'a fait, à dire, voilà, nous avons affaire à un fasciste. Ce sont des fascistes. Bien sûr qu'il y a des dimensions fascistes, bien sûr. On est bien tout à fait d'accord qu'il y a des dimensions fascistes, des dimensions de milices, aussi bien au Brésil qu'aux États-Unis, on le voit ces derniers jours. Mais il ne faut pas se précipiter parce que le fascisme, justement, dans sa dimension traditionnelle, en quelque sorte, voulait encadrer les marchés, réencastrer les marchés, comme disait Polanyi. Or là, on n'a pas du tout affaire à ça. On a affaire à une libération des marchés, justement. Le fait que les marchés soient de plus en plus libres, que les entreprises soient de plus en plus libres, qu'elles aient de moins en moins de contraintes financières, fiscales, sociales, écologiques. Hein. Donc, pour moi, si vous voulez, l'extrême droite, on appelle l'extrême droite, c'est une extrême droite d'un nouveau genre, enfin, une extrême droite néolibérale. Voilà, une extrême droite néolibérale. Et qui montre que le néolibéralisme finalement a deux pôles. Il y a deux pôles, mais assez complémentaires. Un pôle globaliste, un peu justement à l'ancienne, qui peut être par certains côtés multiculturaliste, qui peut être ouvert sur un certain nombre de transformations sociales, des mœurs, etc. Et puis un pôle néolibéral allié aux conservateurs et à des groupements fascistes. Et qui défend autrement le marché, qui le défend par la violence. Pourquoi dans un cas y a-t-il telle ou telle forme de gouvernement? Alors ça c'est compliqué, ça dépend des pays. Je pense qu'il y a des contextes locaux et il y a aussi la capacité de ces gouvernants à exploiter la colère sociale, le ressentiment. On l'a vu aux États-Unis en tout cas, c'était assez clair que Trump avait réussi à attirer à lui une partie des classes populaires qui avaient été victimes de la globalisation. Voilà. Et donc, il a su jouer, il joue très habilement, finalement, de ses colères sociales pour faire une politique pas du tout en faveur des plus pauvres, des plus démunis ou des travailleurs, mais une politique, justement, de plus en plus favorable, justement, au pouvoir de la finance. Hein. C'est bien. Très bien, très bien. Non. Ça va, n'était pas si difficile, voilà. Mais bon, j'ai encore une dernière question peut-être pour finir. Bon, pour terminer, donc, j'aimerais que vous commentiez un peu votre livre qui doit sortir ici au Brésil début octobre, Foucault, Baudier et la question néolibérale, et aussi votre nouveau livre écrit avec M. Pierre Dardot qui sortira en France début septembre, Dominé, enquête sur la souveraineté de l'État en Occident. Quelles sont peut-être les nouvelles clés de lecture que vous présentez dans cet ouvrage pour l'intellection de notre temps présent? Oui, alors ce sont deux livres très différents. Le premier oui. Que vous avez mentionné, qui va effectivement être publié prochainement au Brésil, qui a été traduit par Marcia Cunha et par Milton Ota. C'est un livre, disons, qui a l'ambition de montrer qu'en France, il y a eu
à deux moments différents, donc deux théorisations, problématisations du néolibéralisme différentes, dans des contextes différents et avec des armes théoriques différentes. Mais moi, je n'oppose pas l'un à l'autre. Si vous voulez, quand j'ai écrit Foucault, Bourdieu et la question néolibérale, ce n'était pas pour opposer Foucault et Bourdieu. C'était pour montrer qu'en fait, il y avait, comme vous dites, deux clés de lecture. Deux clés de lecture qui, pour moi, sont assez riches, l'une et l'autre, et assez complémentaires. Alors, on a déjà parlé de Foucault. Ça intéressera évidemment tous ceux qui s'intéressent à Foucault. Enfin, je l'espère. J'ai essayé de montrer, si vous voulez, que d'une part, que Foucault n'était pas du tout le sympathisant du néolibéralisme qu'on présente parfois. Je crois qu'il y a eu dans le monde, il y a un débat lancé, je pense surtout aux États-Unis, depuis les États-Unis. Alors, avec une thèse selon laquelle Foucault, aurait eu des sympathies pour le néolibéralisme parce que le néolibéralisme, c'était pour lui une façon d'émanciper les individus, de faire en sorte qu'ils soient moins gouvernés par l'État. C'était en quelque sorte dégager les individus du poids de la coercition de l'État. Et donc, Foucault aurait été sympathisant du néolibéralisme et finalement son gauchisme l'aurait amené vers le néolibéralisme. Alors c'est aussi tous des gens qui pensent que finalement 68 a débouché sur le néolibéralisme en gros. Voilà, la révolution libertaire débouchait logiquement sur le néolibéralisme. Alors il y a toute une série de gens, ça peut être des conservateurs, ça peut être des marxistes, ça peut être aussi des sociologues bourdieusiens qui expliquent ça. Alors moi j'ai voulu rendre justice à Foucault, si je puis dire. Rendre justice à Foucault, c'est très ambitieux, c'est de dire au fond, son intérêt pour le néolibéralisme est inséparable de toute sa recherche sur les formes de pouvoir, sur les formes de gouvernementalité. Et jamais, jamais Foucault ne prend parti pour l'une ou l'autre forme. Il ne joue pas la carte du marché contre les disciplines. Il montre qu'à un certain moment, précisément, il y a des accords entre les disciplines et le marché. C'est en gros la fin du 18e et le début du 19e. Et puis, aujourd'hui, il y a des formes de gouvernementalisation de la société qui sont différentes, qui sont peut-être plus radicales, etc., etc. Bon. Ce qui l'intéresse, c'est l'évolution historique des formes de pouvoir. Voilà, c'est tout. Mais Foucault n'est pas un naïf. Il savait fort bien que ces formes de pouvoir pouvaient entraîner justement des formes de domination, d'aliénation, etc. Bon. Donc, voilà, ça c'était, je pense, une raison très importante, sans prendre à partie, sans accuser finalement les uns ou les autres d'avoir méconnu la volonté et l'intention de Foucault, je voulais quand même rétablir un peu les choses. Deuxième chose, il y a quand même toute une série de mésinterprétations de Foucault de la part de philosophes et d'historiens des idées. Alors, il y a des gens qui ont accusé Foucault et qui ont accusé Dardot et Laval aussi, en tant que néo-foucaldiens, finalement, de ne pas comprendre que le néolibéralisme, c'était extrêmement divers, qu'il y avait plein de gens, qu'il y avait des positions très différentes et qu'on ne pouvait pas on ne pouvait même pas parler de néolibéralisme au singulier, qu'il fallait parler de néolibéralisme au pluriel. Voilà. Alors j'ai voulu essayer d'expliquer tout simplement ce que Foucault entendait par néolibéralisme. C'est un peu le sens de ma première réponse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était qu'une rationalité politique? Qu'est-ce que c'était que la norme des pratiques? Qu'est-ce que ça voulait dire que... d'agir sur des individus à distance en créant des situations de marché. Voilà. C'était ça le néolibéralisme, d'abord et avant tout. Forme de pouvoir à distance
par des mécanismes de marché que l'ordre juridico-politique instaure. Voilà. Et donc là, pour le coup, il y avait un accord, ou plutôt une complémentarité pour Foucault, entre les ordo-libéraux allemands, qui eux insistent sur le cadre, l'ordre, et d'autre part, les austro-américains, qui eux insistent beaucoup plus sur le type d'individu qui peut fonctionner dans ce genre de système, c'est-à-dire l'individu-entreprise. Les ordo-libéraux allemands ne sont pas du tout des gens qui pensent en termes d'individus entrepreneuriales. Ce n'est pas leur problème. Eux, ils pensent le cadre. Et les austro-américains, eux, ils pensent au type de subjectivité, de logique individuelle nécessaire pour fonctionner dans ce cadre. Donc, le grand génie de Foucault, ce n'est pas d'avoir méconnu les uns et les autres, c'est d'avoir fait le branchement entre ceux qui pensent le cadre et ceux qui pensent finalement l'individu qui fonctionne dans le cadre. Voilà. Pour moi, c'est ça que je voulais essayer d'expliquer. Alors, ce n'est pas du tout évident dans le cours de Foucault. Ça, je l'admets volontiers. La naissance de la biopolitique, c'est un texte assez compliqué parce qu'il semble séparer les choses. On ne comprend pas forcément très bien le fil de tout ça. Pour des raisons, d'ailleurs, de la façon dont travaille Foucault. Foucault, il a des éclairs, il a des intuitions absolument remarquables, mais c'est vrai qu'il travaille assez vite et il travaille, pour le coup, sur des ouvrages de seconde main. Sur l'ordolibéralisme, il n'a pas été lire tous les ordolibéraux, etc. Alors, c'est assez facile, si vous voulez, après, de dire « oui, mais il n'a pas vu ci, il n'a pas vu ça, etc. » Oui, mais il y avait 12 cours dans l'année au Collège de France à faire, et d'une certaine façon, il n'avait pas le temps, ce n'était pas l'objet. Simplement, ce qu'il a fait, c'est lancer des idées et, en espérant qu'il y ait des gens qui reprennent ces intuitions-là et qui les travaillent. Bon, je crois que c'était ça un peu le... Alors bon, j'ai un peu répondu, si je puis dire, à... C'est très prétentieux ce que je veux dire, mais pour le prendre avec humour, je crois que j'ai répondu à l'attente de Foucault. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, pour lui, je crois que ce qui était important, c'est qu'il y ait des gens après lui, voilà, qui prennent au sérieux ses intuitions et qui les poursuivent. Voilà. Alors, pour Bourdieu, c'est autre chose. C'est très compliqué, Bourdieu, parce que c'est un homme. Alors là, c'est un sociologue qui est devenu homme public et qui a incarné dans les années 90 l'opposition au néolibéralisme. Alors d'abord, ce qui est très curieux, c'est que Bourdieu était au Collège de France, il est rentré avec l'appui de Foucault, mais Bourdieu ne se sert absolument pas des outils de Foucault. C'est tout à fait autre chose, c'est une autre logique. Alors, là aussi, j'ai voulu montrer que chaque auteur, finalement, poursuivait sa propre logique et avait son propre style. Le style de Bourdieu est très différent de celui de Foucault. Foucault, lui, il invente des concepts au fur et à mesure, en marchant, il invente des concepts, voilà. Bourdieu, lui, c'est très différent. Il a une machine théorique et il la fait tourner sur des objets nouveaux. Voilà, il prend des objets et puis il utilise ses concepts. Et j'ai voulu voir ce que ça donnait. Ça donne des choses assez curieuses et avec des tensions internes importantes, puisque chez Bourdieu, il y a quand même une très belle critique du néolibéralisme comme étatisme. Et en même temps, une revalorisation de l'État qui est parfois assez étrange. Donc, c'est un auteur qui a beaucoup de tensions internes, mais qui sont elles-mêmes significatives, qui nous enrichissent. C'est-à-dire qui nous font mieux comprendre, justement, que le néolibéralisme, c'est aussi toute une série de tensions dans un pays particulier. C'est-à-dire, quand on le regarde concrètement, c'est assez compliqué. Et alors, il y a quand même un apport de Bourdieu qui m'a semblé tout à fait important et sur lequel Foucault justement ne dit rien, ce sont les acteurs, les agents du néolibéralisme. Finalement, c'est qui dans une société est porteur du néolibéralisme. On avait l'impression, si vous voulez, dans l'altermondialisme, que c'était voilà, les agents du marché, que c'était les capitalistes, qui étaient les vecteurs et les porteurs du néolibéralisme. Bourdieu, lui, beaucoup plus subtil, et il montre justement le rôle très important des agents de l'État et de la haute administration
qui sont vraiment les importateurs du néolibéralisme au sein de l'État. Alors, ça, c'est, à mon avis, c'est un apport sur lequel j'insiste beaucoup. Et en tout cas, bon, ben, pourquoi je réunis Foucault-Bourdieu, bon, c'est un peu mes deux modèles, si je puis dire, dans la vie, quoi. C'est-à-dire, modèle, c'est un peu l'idéal du moi, si je puis dire. C'est-à-dire, bon, voilà, deux auteurs, évidemment des géants. Bon, je ne suis pas un géant, mais je suis un nain. Mais deux géants de la pensée et en même temps des gens qui interviennent dans l'espace public, voilà, qui ont le sens de la responsabilité de l'intellectuel et qui interviennent dans l'espace public pour se lier, pour aider ceux qui luttent. Voilà, ce sont deux théoriciens branchés sur les luttes. Et ça, ça me plaît beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un modèle à suivre. Voilà. Et donc, ben voilà, ça c'était pour Foucault-Bourdieu. Et alors là, nous, depuis hier en librairie, donc, eh bien, sorti notre nouveau livre, là, je présente, ça s'appelle Dominé. Voilà. Et le sous-titre, c'est Enquête sur la souveraineté de l'État en Occident. Vous voyez, bon, le bouquin est encore très, très gros, là. C'est une généalogie, voilà, du principe de l'État, du principe de la souveraineté qui a constitué réellement les États en Occident. Et ça nous manquait, enfin je crois qu'avec Pierre, on a vraiment pensé que ça nous manquait et qu'il fallait aider à la compréhension de ce qui avait fait l'État. Et ce qui a fait l'État, d'ailleurs Bourdieu il l'avait fait aussi et il avait insisté là-dessus dans son cours, c'est la croyance. C'est une croyance dans une personne publique, dans une personne fictive, voilà, qu'on appelle l'État, et qui est donc supposé être porteur de l'intérêt général, du bien commun, voilà, du bonheur, de la félicité publique, etc. Et on a voulu voir comment ça s'était constitué, cette affaire-là, et en quoi l'Occident était assez unique dans cette création originale qui a été exportée partout dans le monde. Là, c'est la grande réussite de l'Occident, c'est-à-dire via la colonisation, via l'impérialisme et toutes les formes de néocolonisation, la grande réussite de l'Occident, c'est l'exportation du modèle d'État, avec des échecs absolument considérables, puisque précisément l'État occidental, quand il a été transplanté dans d'autres pays et d'autres cultures, donne des résultats absolument terrifiants. Pas du tout le modèle Max Weberien de l'État légal rationnel. Enfin, peut-être qu'au Brésil, vous êtes bien placé pour voir ce que veut dire l'importation du modèle de l'État occidental. Bon, mais en tout cas, il fallait essayer d'expliquer comment en Occident était née cette réalité autour du principe de souveraineté. Et il y a un aspect, si vous voulez, assez directement politique de notre travail, qui est d'essayer de dire que la gauche, dans son ensemble, aurait tort de croire que, justement, la solution, c'est la réaffirmation de la souveraineté de l'État. Voilà. Donc, nous, on va tout à fait contre l'idée assez répandue, hein, sur laquelle, voilà, la stratégie ou le programme de gauche serait une stratégie de restauration de l'État et de la souveraineté. Pour nous, on reste fidèle à notre idée du commun, c'est-à-dire la démocratie réelle, participative, partagée en tout cas, et intensive de la population. Voilà, et on attendra, je veux dire, assez patiemment que le livre soit lu, discuté, traduit éventuellement, voilà, pour en parler. Non, c'est très bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, donc ça a été ma dernière question. Merci beaucoup pour votre participation, monsieur Labat. Veuillez m'excuser un petit peu maintenant pour donner quelques petits messages à notre public brésilien. Je m'adresserai à eux en portugais un petit peu pour les finir. Merci à vous. Bem, gente, então essa foi a entrevista com o professor Laval. Eu agradeço que vocês tenham ficado até aqui, assistido até o final. E fica aqui, então, o convite para a participação no nosso evento dos dias 6 a 8
de outubro, né? Será totalmente online e essa parte especificamente foi gravada, não é? Mas as demais etapas serão feitas ao vivo e vão poder ter então a participação de perguntas e tudo mais nas mesas redondas, tá bem? Vocês aguardem então que a publicação que a programação vai ser em breve disponibilizada, tá bem? Muito obrigado e até lá.